pays la Russie déjà gagné un groupe mercenaires extrêmement redoutable qui a bataillé en guerre avec Ukraine nan, déjà trouvé yo en Haïti selon plusieurs médias nan modelan qui référé yo avec document Pentagone qui c'est ministère défense États-Unis qui prend la ri parmi gros médias ça a gagné New York Times avec Daily Mail nan pays Angleterre qui confirmé information qui dit que yo gagné document ça yo côté que yo dit gagné et groupe mercenaire qui est Wagner qui extrêmement redoutable qui déjà gagné et plusieurs soldats en Haïti qui pral mettre balle nan bouda ti monsieur gang kap bay problème massacre moun nan quartier populaire et la Russie selon document sa yo Pentagone gagné qui prend la ri et décidé bay Haïti yon coup de main parce que la Russie t'a estimé que gang yo fait partie de intérêt États-Unis et tout ça qui gen rapport avec intérêt États-Unis nan monde lan la Russie décidé combattre contre lui et mais qui ça et article moi gen nan même lan et dit c'est un article à Daily Mail nan pays Angleterre qui dit que document qui divulgué et nan Pentagone révélé que terrifiant groupe mercenaire russe qui relé Wagner là l'a opéré nan bab États-Unis actuellement nan pays Haïti après que chef groupe ça li bay et l'ordre pour envoyer un groupe vinn combattre gang yo k'ap massacrer moun nan quartier populaire yo. Deuxième point clé dans l'article là, li dit que Wagner li déjà prend pied pour la Russie nan au moins une demi-douzaine pays africains et semblé kounya c'est en Haïti, yo pral commencer opérer. Document ça qui c'est des documents classifiés donc qui pas dû rendre public qui divulgué dernier jour ça yo, yo révélé nouvelle information sur groupe ça un groupe mercenaire qui me dit non qui aider la Russie dans combattant contre Ukraine actuellement qui a une réputation pour extrêmement brutale avec impitoyable moi toujours un article Daily Mail là année dernière chef groupe ça t'es ordonné exécution yon traite avec yon marteau forgeron après que monsieur t'es sauvé nan côté Ukraine et que t'es fin pas prendre li et yon mine yon gros quantité documents classifiés qui prend la ri semaine ça révélé que gen groupe mercenaire ça qui déjà trouvé yo en Haïti actuellement en bab États-Unis groupe terrifiant li vin viral dans l'année 2022 après gen yon vidéo plusieurs membres groupe ça qui battent à mort yon déserteur avec yon mato et puis yon propager vidéo ça en ligne et selon information qui dans document Pentagone qui c'est ministère défense États-Unis et bien groupe ça déjà gen soldat qui sous sol haïtien qui a préparé pour attaquer ti monsieur gang yo nan quartier populaire groupe mercenaire qui est Wagner li déjà établi pied j'aime te détailler à ce article là dans plusieurs pays parmi les demi-douzaine pays qui en Afrique et qui gagne des liens notamment avec la Turquie et puis la Syrie alors que capacité militaire Kremlin t'a épuisé eh bien gagne une brèche dans renseignement qui fait qu'on est que groupe mercenaire ça a toujours été une force qui extrêmement puissant qui c'est un gros renfort pour l'armée russe et pour tout régime Poutine responsable dans document ça a affirmé que peut-être il est impossible pour retracer source origine qui mettait information ça dehors mais gagne des milliers de responsables dans le gouvernement américain qui disposaient de habilitation sécurité très haut niveau pour accéder à documents ça. Pendant plusieurs années, Yevgeny Prigozhin, qui c'est un proche confident président russe là, Poutine, qui était nié tout lien avec groupe qui relève Wagner là. Eh bien, en septembre passé, monsieur avoué qu'il était fondé, qu'il était dirigé et qu'il était financé groupe ça. Depuis là, monsieur vient tourner visage groupe Wagner là, qui sont groupe de mercenaires redoutables, je te dis là, qui ont utilisé une extrême brutalité avec un trait impitoyable. En novembre 2022, une vidéo qui était fait surface et sur internet t'est montré un ancien du groupe Wagner là, qui est Amadi Bouta, qui était déserté l'armée syrienne et ont été battu monsieur à mort avec un marteau parce qu'il était prétendument selon Saoudi monsieur était décidé à la bataille pour Ukraine en guise de rester avec eux document qui prend la rio fait qu'on est
que Prigozine li créé yon l'armée 22 000 mercenaires qui ont recruté dans plusieurs régions. Groupe ça li également entré sous territoire l'OTAN et secrètement rencontré plusieurs contacts turcs dans mois février qui sont passés là côté qu'il y a cherché zam pour capable bataille avec Ukraine. Li pa clair si yo te rivé récupérer zam ça selon article Daily Mail là. Mais document yo fait connait que nation ouest africaine qui est le Mali a li té en avant-poste pour té capable joindre zam de la part de la Turquie. Et bien j'aime te dire tout à l'heure gagné Yevgeny et Prigozine qui té condamné à 12 ans prison en 1981 pour vol avec voie de fait. Li té l'ouvri un restaurant à Saint-Pétersbourg en Russie après avoir été libéré de la prison. C'est dans moment ça, ça pral faire connaissance avec Poutine, qui té laissé té adjoint magistrat dans ville Saint-Pétersbourg en 1990. Prigozine, 61 actuellement, li utilise lien avec Poutine pour développer une entreprise dans restauration et remporter plusieurs contrats lucratifs avec gouvernement russe là qui té vinn bali ti surnom chef de Poutine. Monsieur ensuite étant et influence li dans plusieurs autres gros entreprises notamment dans des médias. Moun m'a parlé de l'IA sur l'information, c'est lui-même qui était accepté en septembre 2022 que c'est lui-même qui fondait et qui créait le groupe Wagner là. Et bien monsieur li joue un gros rôle actuellement selon document Pentagone que média saoudi ou gen men yo. Et bien groupe Wagner là qui aidait l'armée russe là en pile dans bataille la Russie qui déjà occupé et piloté territoire environ 6 pays en Afrique sous commandement de Poutine décidé mettre pied à Haïti. Personne pas connaît qui côté yo yé, mais c'est ça que américain ou dit à travers document ça yo. Kounia on faut y parler comme d'habitude. Est-ce que fuite document ça yo que média américain yo dit yo gagné qui sorti dans Pentagone, c'est pas une fuite voulue? Est-ce que c'est pas exprès que service renseignement ministère défense États-Unis fait yo fait document ça yo fuité à savoir présence probable de mercenaires russes en Haïti pour venir craser gang yo kounia pour capable mettre Poutine dans l'embarras ou bien pour craser plein yon si don plan qu'on sa vrai. Bon me reprendre. Est-ce que fuite document ça qui a joué média et que autorité américaine yo j'ai pas quitté puis qu'on écoute le sortir, c'est pas yo même encore qui fait fuite à joué média yo pour capable contrecarrer un probable plan qu'on sa si Poutine ta gagne. Est-ce que nèg yo souterrain vrai en Haïti actuellement? Est-ce que c'est pas fait information courir près devant pour empêcher yon entrer ou bien pour avertir réellement? Moi, dans supposition, m'a posé question, m'a pas non information, m'a dit ça me penser. Maintenant, si américains ont fait le consacré, est-ce que qu'on y a en date que c'est vrai, mercenaires russes Wagner autant en Haïti vrai, est-ce que le fait que l'information a fuité, pas pral déranger probable plan que t'as gagné pour craser des gangs? Groupe mercenaires ça aussi c'est vrai autant en Haïti. Le plus gros service que tu as, c'est pour qu'on arrive ni sous Tilapi, ni sous Iso, ni sous Boulan Monsanjou. C'est péter fiel, nèg nan pouvoir, nèg nan secteur privé bourgeoisie, moun qui est tout plus mal et qui a si mes armes avec balle, by gang yo. Tout en sous balle, sous armes yo, pas fait craser, a toujours gagné nouveau Tilapi, nouveau Iso, nouveau Boulan Monsanjou, etc. Même le craser ça a soya de matin de l'autre. Donc si ça bon coûte mes cap bay vrai, commencez par péter fiel pile bourgeois pile politicien cap bay zam ça yo, on pas retirer responsabilité les qui gen zam yo, mais même c'est un dernier parce que si on pas gen zam nan mais avec balle encore toute bagaille fini, n'importe moun a rentré à manche ta matoal prend. Donc moi gen doute sous question de fuite d'information ça qui allait pour dire que la Russie a envahi pays africain parce que vous voulez craser les États-Unis et en plus c'est des médias américains qui gagnent information de première main. N'a pas suivi dossier de très près, mais en tout cas ça qui est sûr, moi-même moi remettais en doute et cette histoire de fuite de données qui divulguées, etc., etc. Je pensais c'est un stratagème de autorité américaine pour essayer de craser plein Poutine. Si toutefois il a un plan comme ça vraiment. À bientôt, mesdames, messieurs, sous page ça, Midi Pierre-Richard Facebook et sous Chanel Pierre-Richard Midi YouTube.